Dans le cadre de ce second tour, sans avoir perdu notre sérénité, notre calme, notre détermination, la conviction absolue que nous pouvons gagner cette élection présidentielle, je crois que les résultats d'hier nous l'ont très largement démontré. Pour les plus anciens, ça nous a rappelé quelque chose. Ce différentiel de voix et cette configuration. Coller les gens comme ça, reculer un peu. Reculer un peu. Nous démarrons donc ce second tour avec un plan de campagne qui est extrêmement précis, dont je vous parlerai dès que mes amis de la presse ne seront plus là, parce que toujours un minimum de suspense. On n'arrive plus à s'asseoir, hein. C'est quand même un peu compliqué. Je repensais hier soir aux nombreux obstacles que nous avons dû surmonter pour arriver au résultat hier soir, ce qui prouve qu'il ne faut jamais perdre sa persévérance. Quand on sait qu'on a raison, il faut continuer à se battre envers et contre tout. Malgré la concurrence, malgré parfois quelques comportements personnels d'anciens amis qui nous ont déçus, malgré les difficultés qui ont été mises sur notre route pour trouver les moyens de financement de la campagne, malgré les difficultés qui ont été les nôtres dans la recherche de parrainage. Je sais que ça paraît loin, hein, quand on est en campagne, tout ça paraît très loin, mais nous avons surmonté tous ces obstacles. Grâce à nos convictions et grâce aussi évidemment à notre expérience. Aujourd'hui, nous abordons ce second tour également avec une expérience, celle d'il y a 5 ans, qui va évidemment être très utile. Je repars dès cet après-midi sur le terrain. J'y serai bien entendu tout au long de ce second tour, même si je considère qu'il est important également de faire d'organiser des conférences de presse dans l'objectif d'expliquer précisément aux Français qui vont être très largement, je pense, désinformés entre les deux tours, quel est notre projet, comment j'entends gouverner, comment j'entends rendre aux Français non plus seulement leur argent et leur pays, ce que bien entendu je continue à vouloir faire, mais également leur démocratie. Car je crois que beaucoup de Français ont énormément souffert dans les dernières années d'être privés de leur pouvoir de citoyen, d'être empêchés de s'exprimer sur les grandes orientations du pays. Et donc je ferai demain une conférence de presse sur ma vision de la nécessaire revitalisation de la démocratie, mais également sur ma manière de gouverner. Ça c'est pour demain. Et puis il y aura évidemment d'autres événements tout au long de la campagne. Cet après-midi, nous irons parler d'agriculture, de souveraineté alimentaire. Nous allons également parler évidemment de l'inflation, car c'est un lourd sujet de préoccupation que cette inflation qui n'est pas derrière nous, mais qui est devant nous, qui est un mur que le gouvernement fait mine de ne pas voir, ou plutôt dont il ne veut pas parler aux Français, et qui va pourtant nécessiter absolument de prendre des décisions fortes, des décisions urgentes, dans le but, bien entendu, de protéger le pouvoir d'achat des Français, et notamment le pouvoir d'achat des plus modestes de nos compatriotes. Donc, j'irai avec les agriculteurs à évoquer ces sujets-là, pas seulement, d'ailleurs, l'inflation des prix des carburants, mais également l'inflation des prix des produits alimentaires, qui, encore une fois, très inquiétante. Très inquiétante. Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre présence. On va travailler parce qu'on a beaucoup de travail. On a la profession de foi qui doit être définitivement validée, présentée à l'ensemble du cadre.
pense qu'on peut... Merci. Pas du tout. On peut redescendre. On va accueillir également nos autres amis qui n'ont pas pu rentrer à cause de vous. Et oui, Jean-Luc Manot, nous étions en direct du QG de campagne de Marine Le Pen, entouré de Jordan Bardella. Damien Fleureau, alors on entendait, hein, je dis bien, on entendait de loin la présidente nous dire que sa campagne n'allait pas changer de ton, c'était une bonne chose, détailler ce qu'elle allait faire, sa place au terrain. Mais on n'a pas eu ce sentiment d'avoir une espèce de surenchère par rapport à Emmanuel Macron déjà sur le terrain. Donc, alors je ne sais pas si tout le monde l'a senti sur ce plateau, mais on sent quand même une forme de quiétude, presque de nonchalance. On ne la sent pas bousculée. Non, bon alors après, il faut dire aussi que Marine Le Pen prépare cet entre-deux-tours depuis de très nombreux mois, depuis son entrée en campagne en fait, et donc elle s'y prépare, elle l'a réfléchi, et même si je pense qu'il faut s'attendre à des surprises d'un côté comme de l'autre, elle ne veut pas se donner le sentiment qu'elle se précipite. Mmh. Alors c'est vrai que là, cette séquence-là, comme Jean-Luc Manot le disait tout à l'heure, d'une candidate dans un bureau, c'est autre chose que ce qu'on a pu voir les précédentes heures d'Emmanuel Macron entouré de Français. Mais bon, c'est vrai que c'est une campagne que l'on vit sur les chaînes info et notamment et en particulier sur LCI. Il y a une mais les Français ce soir auront par exemple les images de Marine Le Pen sur un marché à Torigny-sur-Oreuse, dans l'Yonne, de la même façon qu'ils auront aussi, au journal de 20h, les images d'Emmanuel Macron à Denain. Donc, bon, là, il y a un parallélisme des formes que l'on peut faire, qui n'est pas forcément à l'avantage de Marine Le Pen, mais voilà. Ça va s'équilibrer dans l'après-midi et ce soir sur LCI ou peut-être aux 20h. Il y aura une saine image et un sain partage. Elle a un intérêt, cette image, quand même. Elle a un intérêt pour justement, c'est la question que je posais. À quoi elle sert? Elle sert à montrer qu'on n'est pas seul. Elle sert à montrer qu'on a une équipe. Elle sert à montrer qu'on a une qu'on travaille, qu'on donne le sentiment de maîtriser la situation, de maîtriser les émotions, de exactement ce que vous disiez, vous. C'est-à-dire, assez calme. Ce n'est pas la Marine Le Pen d'il y a 5 ans, au lendemain, pour le premier jour de son second tour. Ouais, sans ralliement non plus. C'est pas Marine Le Pen entourée d'un allié du camp Reconquête chez Éric Zemmour, de Nicolas Dupont-Aignan. Elle règne, voilà. Elle est entourée, donc c'est ça aussi qu'elle envoie comme image. J'ai une équipe, je noterai, parce que je suis malicieuse... Peut-être même, mais bien sûr, c'est la reine des abeilles. Comment dirais-je, je noterai, parce que je suis malicieuse, que tout à l'heure, lors de la première image, il y avait quelqu'un qui a complètement été porté disparu, à tel point que nous avions lancé une alerte Amber. C'était Thierry Mariani qui a disparu complètement de l'image au moment, parce que Thierry Mariani, c'est aussi... Et Marine, je l'explique. Vous êtes médisante parce que sur le grand plan, il est apparu. Il est très loin d'elle. Pourquoi? Parce que je dis ça au-delà de la blague, c'est que Poutine, les relations avec Vladimir Poutine, de Marine Le Pen personnelle, la question russe-Ukraine sera quelque chose évidemment de très pesant et de très lourd pour elle dans la campagne et notamment, je pense, dans le débat d'entre deux tours. Il était porte-parole de la campagne. Je crois qu'il n'a pas trop usé les micros parce qu'on l'a planqué vite fait quand même. Voilà. Olivia Grégoire qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Un peu de com politique quand même avec vous, Jean-Luc Manot. On est parti d'une séquence, on va y revenir, avec Emmanuel Macron, avec des mots assez forts, assez préparés. C'est à peu près les mêmes mots d'ailleurs, qu'il soit face à un citoyen ou qu'il réponde à des journalistes. Donc on sent qu'il y a quand même un argument de langage. Il y a des choses qui ont été préparées entre hier matin et hier soir. Mais les deux images sont intéressantes à confronter, même si elle n'était pas à l'avantage de Marine Le Pen, mais ça sera réparé sans doute dans l'après-midi par d'autres. Le président, encore une fois, le candidat président, tout le monde est à peu près d'accord sur l'idée qu'il y a un déficit de campagne au premier tour et donc un déficit de proximité. Donc ça va être comblé, c'est les décisions stratégiques qui ont été prises et on voit bien que c'est ça qui aujourd'hui est à l'œuvre. Donc alors on dit c'est préparé, ben heureusement, enfin moi je préfère avoir un président de la République qui a plutôt préparé quand il parle aux gens et à la télévision plutôt qu'un type qui arrive les mains dans les poches et qui est rentré parce qu'il y avait de la lumière et qu'il faisait chaud. Donc ça a priori
c'est plutôt bien, un président de la République qui travaille et qui prépare. Donc il y a cette volonté. De l'autre côté, chez Marine Le Pen, il y a la volonté de ne pas retomber dans les travers, c'est-à-dire d'être toujours dans cette forme de nouvelle image qu'elle a essayé d'imposer, de ne pas être dans l'excitation, dans la dureté, dans les sentences martiales qui ont fait les grands jours du Front National. Donc ils sont tous les deux dans le bon emploi, j'ai envie de dire, dans ce qu'ils font. Et chez... vous savez, Emmanuel Macron, d'un mot, il sort là favori, mais très légèrement favori, dans une bataille qui, tout le monde sait, va être très difficile. Et il faut qu'il montre dans les premiers moments qu'il faut se battre, qu'il dise à ses partisans de se battre. Et en plus, il a rassemblé autour de lui des électeurs composites, des gens très différents. Alors que pour Marine Le Pen, c'est des cousins qu'il faut rassembler. Vous voyez, ils ne sont pas très différents, les zémoristes et la fraction dure, j'entends, du FN. En tout cas, il y a plus de passerelles, donc c'est plus difficile, il faut aller davantage à la bataille. L'enjeu est plus important.